Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là on est dans un village encore, hein. Et on revient sur quelque chose que j'ai fait dans les débuts. Alors ça va être compliqué, on va laisser passer la voiture. Ah non, c'est bon, j'y vais. Donc en fait ça va être un peu compliqué à vous expliquer parce que comme d'habitude j'ai mauvaise mémoire par rapport à ça. Alors dans ce village en fait la maison elle est juste là devant moi. Et ce que je vais vous faire visiter, enfin voir de l'extérieur, c'est un truc que je devais acheter au tout début, que j'ai pas pris parce que, en fait, ben j'ai acheté autre chose à la place. Je me rappelle plus quoi, je me rappelle plus des circonstances. Allez, je vous montre les vidéos, on voit ça plus tard. Je passe derrière. Donc vous voyez, c'est cette maison qui est juste devant vous, ici. Ce portail, cette grange, et tout au fond, il y a un jardin en fait qu'on pourra pas voir. Et dans ce jardin, en fait, c'est un quoi qu'on pourra pas voir. Je peux peut-être remonter, mais bon, on va pas chercher à voir. On pouvait faire une construction. Donc je vais vous montrer un peu de plus loin la maison. Donc, voilà, elle fait tout l'angle qui est là. Donc elle part d'ici là. Tac, là ici. Et après vous avez une dépendance ici. Ici vous avez un gros hangar et sur le fond là-bas, vous avez un terrain qui était constructible. Là ce projet là, ben, vous avez compris, hein, je faisais des apparts ici, des apparts ici, des apparts ici. Ici je crois que je rajoutais la dépendance à ces logements là. Et là je faisais des logements et je construisais la maison. Bon alors. Pourquoi l'opération ne s'est pas faite? Et bien là, encore une fois, j'ai été très mauvais. Alors, très mauvais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis assez têtu, moi, sur mes offres. D'ailleurs, j'ai un jour quelqu'un qui m'a fait remarquer que des fois, je chipotais de ses mots à lui. C'est-à-dire que m'arrive des fois de ne pas être d'accord pour des montants ridicules. Et franchement, je vous ai montré un bien où ça a été le cas, et je ne vous ai pas précisé d'ailleurs, mais des fois ça se joue en rien quoi. Par rapport au montant global, on est vraiment sur rien du tout. Ah, cette rue-là, elle mène nulle part. Allez, on fait demi-tour. Ça se joue sur rien du tout. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce bien-là, en fait, on n'était pas d'accord sur des pécolettes, comme on dit chez nous. Hein, c'est bon ça. Et en fait, on ne s'est pas entendu et on n'est pas allé du tout au bout de la négociation. Donc, voilà, j'aurais dû, je pense, vu le nombre de lots qui étaient faisables, faire une contre-offre plus élevée. Mais je suis parti sur autre chose et j'ai laissé ça dans un coin. D'ailleurs, vous voyez, c'est toujours qu'une seule habitation. Le projet est toujours viable, mais personne n'en a rien fait. Voilà, très rapide, comme d'hab, c'est walk and talk. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ne faites rien hein, si vous n'avez pas envie. Hein. Allez, salut !